Ça y est, elle est arrivée, la vidéo d'Airsoft est enfin là. Alors, comme je l'expliquais en live, c'est plus une vidéo test pour vous montrer un peu toutes les galères qu'on a eues, mais bon, c'est le premier ouvrage de l'aventure Airsoft, on va dire. Donc je me suis retrouvé dimanche dernier sur le terrain de la fac dans le Haut-Rhin, près de Mulhouse, à Wittenheim exactement. Je vous commente un peu cette vidéo parce que c'est spécial. Des conditions assez difficiles pour tourner, pour un tout premier tournage. Beaucoup de pluie, donc énormément de buée dans les masques avec beaucoup de retours au spawn. Également beaucoup de buée dans l'objectif caméra. Alors comme vous pouvez le voir, le boîtier de plongée, qui n'est pas de la marque officielle Insta360, on voit des sortes de délimitations un peu bizarres sur les côtés. Donc ça en fait c'est le boîtier de plongée qui donne cet effet. Et donc on a appris pas mal de cette expérience. La prochaine partie on va filmer avec un simple objectif 4K et non pas 360. L'objectif 360 on va l'utiliser en retour sur la réplique la prochaine fois. Bon, pour vous dire un petit peu les conditions de cette partie. Là on était sur la première partie de chauffe. Donc deux teams qui s'affrontent. On se fait toucher, on compte 20 secondes en se retournant. Et puis on dit retour en jeu. On est out définitif quand le joueur ennemi vient nous toucher. Voilà, j'aime le contact humain. Apparemment, ils l'ont bien aimé aussi. Devant nous, en plus, vous pouvez voir, c'est Samy. Bah, c'est un viewer de la chaîne. C'est assez rigolo. Je suis accompagné de Super Orlan, alias Medusa, ma copine, juste derrière, en multicam black. Et qu'est-ce qu'elle est badass. Et on affronte même son frère qui est en face. Et notre cher Julien, qui est mon beau-frère. Qui est en multicam, bon bref, voilà, nous quatre, on forme un peu la petite squad d'Airsoft qui se suit de partie en partie. Et je vous laisse kiffer, je commenterai d'autres petits trucs. Attention à vos oreilles, vous allez entendre nos pas, des bruits de caméra, voilà. En fait, là, tu te fais toucher. Bon visionnage. Allez, c'est parti, on y va. Attention aux souches, hein. Dit-il, en courant, tel. Le hamster, hein? Quoi? Ah oui, bah justement. Mais t'inquiète, il y a la marge. Faut qu'on prenne une bonne position au début. Fais-moi confiance! Je pense qu'ils sont encore un peu plus loin. Il y a un mec qui progresse à droite. On peut progresser un peu encore. Out! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, juste à côté du chemin, un peu plus sur la droite du chemin. Je vais pas abandonner ma petite femme devant. Eh bah, tire-lui dessus. Orlan, je vais légèrement sur ta droite, d'accord? Allez, viens! Viens me suivre, on va aller par là. Non, non, c'est bon. Bon, vous me connaissez, comme si les problèmes de caméra ne suffisaient pas. Il a fallu que... Je m'aperçoive que j'avais plus de hop-up, parce que j'avais plus de rubber dans ma réplique. Donc zéro hop-up.
Non. Un peu de tir dissuasif. Deux alliés à terre à gauche. Faut bien écouter. Si on perd les flancs, faut contrôler les flancs. Donc à gauche, il y en a deux lignées. Je vais progresser légèrement à droite pour trouver le tireur. Je l'ai vu tout à l'heure. Suis-moi. C'est le peuple. Allez, on va foutre de leur peuple. Attends, fais gaffe. Tirez gauche. C'était le nez, je crois. Oh merde, allez. Il y a le peuple, je vais. Ouais, viens sur moi, Orlan. Faut qu'on avance, Orlan. Orlan, viens. Là, deux contacts. On a un allié ici. Faut qu'on les pousse, là. Out. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, retour en jeu. Alors, je sais où vous êtes. Out. GG. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, retour en jeu. Out. 1, 2, 3, 4, vous comprenez que ce mode de jeu est assez violent. Dès que vous faites spawn kill, littéralement, préparez-vous à souffrir. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, retour en jeu. Et là, je peux vous dire, l'adrénaline monte, il fallait les capturer. Eh oui, je me suis fait sortir par le frère de Médusa. C'est moche, c'est moche. Je croyais qu'on était une famille.
Out Death. Ah putain, bien joué. Donc là, du coup, je suis out définitivement. Je vais devoir retourner au spawn. Out qui passe. Ce petit rush, j'aurais quand même capturé un ennemi. Out qui passe. Enfin, je l'aurais sorti définitivement. Allez, en avant, aventurière. Donc là, ce que vous voyez, c'est la safe zone. C'est l'endroit où on peut être à l'abri. Il faut quand même garder ses lunettes. Ok. Donc là, je règle la caméra de ma chère et tendre moitié. Ouais. Et c'est là que les problèmes commencent. La buée dans nos masques, dans nos caméras. Les parties vont être compliquées à partir de là. Ouais, j'ai mis assez d'antibus pour tuer une armée. Et même avec de l'antibus chimique, j'y voyais rien. Sur ce terrain, il y a trois axes. Le milieu, la gauche, la droite. Et là, je suis sur la droite. Le chemin le plus risqué. Il faut sortir les ennemis avant qu'ils reviennent dans mon dos. Out! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, retour en jeu. Out! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, saucisse, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, retour en jeu. Oh ouais, t'inquiète. Bon, ils sont deux sur le chemin à droite. Ah, le deuxième, j'aurais eu, c'était bon, mais... Ouais, j'en ai un sur deux. Ouais, c'est fait tchic-tchic, c'est que c'est l'écran qui est, tu sais, je déverrouille. Écoute, je vais te suivre, on va faire des images de fou, là. Voilà, comme vous pouvez le voir, le masque d'Orlan est complètement bué, comme le mien. Là, c'est très compliqué. Très, très compliqué. On n'y voit tellement rien qu'on décide de retourner au spawn. Alors, suite à ça, on a pris quelques mesures. J'ai acheté les sticks anti-buées de chez Decathlon pour la natation. Je sais pas trop ce que ça vaut, je le testerai sur la prochaine partie. Et pour les masques, on a acheté le système anti-fog pour nos masques Novreach. Voilà, c'était au programme, je savais qu'on allait avoir de la buée à un moment donné. Et j'ai beaucoup d'espoir dans les systèmes anti-fog, puisqu'à un moment donné, j'avais utilisé des lunettes FMA avec un petit ventilateur. J'avais jamais eu de buée avec ces lunettes, c'était incroyable. Mais c'était pas aux normes balistiques. Donc j'espère qu'on va résoudre ce problème. Thank you.
j'en ai une. Non, il y en a encore un qui est en face dans l'âne. Il progresse vers le chemin. Il y a une fille qui est là. Il y a sans doute un autre derrière, ouais, je l'ai pas eu. Ça, c'est un couple goal, les gars. Faire du frag avec sa copine. Je vais les faire prisonnier. Pourquoi on a reculé? C'était quoi ces ordres de merde? Vous êtes un lâche. Ouais. À ce moment-là, j'ai tellement de buée que c'est injouable, je ne vois que des ombres. Mais on va quand même tenter de les sortir. Je peux quand même essayer d'en sortir avec toute ma buée. Ouais, là, je vois. Ouh ! On le capture. Je sais qu'il y a un tas d'ennemis qui sont dans le chemin, mais il y a un mec bien planqué avec un GBB qui m'empêche de passer. Il est capturé à la dernière seconde. Et l'autre, il m'a pas eu. Il est dans le chemin, il est là-bas. Votre avis sur l'airsoft? C'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Avis très constructif, madame. Votre avis sur l'airsoft? C'est vrai. C'est pas mal. Très constructif, merci. Ah, tout ça c'est beau. Out. Je crois que c'est toi qui m'as tiré dessus. Non, je te jure. Ah non, non. Ah non, c'est un gaz, j'ai entendu un gaz. Avec, ouais. Les cheveux un peu plus longs. Ah oui. Ça peut paraître un peu bête, mais moi c'est ce que j'adore dans ces parties le dimanche. C'est cette bonne ambiance quand on retourne au spawn, quand on a des super conversations sur qui t'a mis une bille dans les fesses. Et ces petits moments-là qui font que la vie est belle à l'airsoft. J'ai su un avis après la branlée que vous nous avez mis. Non, on l'aura mis. Qu'on vous avait, oui, oui. Mais toi, tu m'as mis dans la jambe, je la sens encore. Et on y retourne dans cette fichue jungle. Oui, bon, forêt, très pluvieuse, avec beaucoup de buée. Et on continue sur le même scénario, les 20 secondes. Histoire de pas se refroidir. Chargeur M4, c'est ça? Comme ça, il y a du vernis bleu. Ok. T'as joué vers où, le centre? Ok. Il est quelque part, il fait ça. D'accord. Entre les pertes de chargeurs de certaines personnes et la buée dans les boîtiers de protection d'autres, je peux vous dire que ce dimanche-là, un peu plus vieux, on en a vu de toutes les couleurs. Le contenu galère, le contenu. Et pour ce scénario, on a décidé de changer de côté.
on va attaquer sur le flanc gauche qui se situe dans un champ. On va les contourner et ça va faire mal. Je pense qu'ils n'auront pas la portée si je me mets par là. Alors là, il y a de l'allié ici qui a été touché, ouais. Ouais, ouais. Puis ils visent par là-bas. Ça aussi, c'est l'airsoft. Essayer de se frayer un chemin dans des orties qui sont plus hautes que ta femme et se faire tirer dessus par des ennemis invisibles dans la végétation. Mais quel kiff! Il y en a un en ligne qui parle là. Il nous a grillé, il y en a qui nous a grillé par là. Oh, je vois rien, putain. Quel enfer. Oh, là-bas, derrière la barricade, je vois. Ouais, il est derrière la barricade, tu l'as vu? Il a été éliminé. Moi, je vois rien. Oh, putain, ça me tire dessus. Comme vous l'entendez, je ne vois rien. Et l'une des astuces quand on voit rien, c'est de courir. Marcher, courir, ça amène de l'air dans notre masque et ça permet de sécher un petit peu la buée. C'est pour ça que je vais tenter un petit rush. Ils sont deux derrière la barricade. Il reste Thomas, je crois. Allez, gars. Allez, tire. Voilà, regarde. Salut, toi, mon coco. Voilà. J'ai abandonné ma femme pour toi! C'est gentil! Chérie! Non! Out! Alors là, du bad move, en veux-tu, en voilà. J'ai carrément cru que mon allié était un bleu. Donc je voulais aller le capturer. J'ai abandonné ma femme, tout ça pour capturer un allié et au final me faire sortir.
et me faire spawn killer. Mais le karma m'a rattrapé car c'était le frère d'Orlan qui m'a spawn killer. Pendant 5 minutes au moins, je pense. Mes fesses en garde de mauvais souvenirs. Pourquoi Thomas, pourquoi? Oh salopard, je te voyais. J'ai un truc bleu. J'y arriverai jamais. 20, bah retour en jeu. Bah ça m'a fait trop. Ouais, je te voyais allongé. Ah, t'as dû kiffer. Oh putain, je te jure. Et qui je vais pas croiser dans la forêt en retournant en game? Notre beau et grand Julien, et eh oui, en personne avec son magnifique multicam. Trop de B. Hein? Trop de B. Ah ouais, ça te gêne? Ah bah je vois rien. Ouais, j'avoue, j'en ai un peu au-dessus aussi. Je suis désolé de vous l'annoncer comme ça, c'est triste, mais à ce moment-là, je n'ai plus de batterie sur l'Insta 360, d'ailleurs c'était pareil pour ma femme. Donc on s'est rendu compte en fait qu'on avait aux alentours d'une heure et quart, 1h20, c'est une toute petite batterie et ça coûte 48 euros la batterie. Donc là, il faut que j'en achète deux, puisque bientôt, j'aurai aussi la deuxième Insta360. Donc écoutez, il me reste encore quelques rushs de runcam où j'envoie de la bille dans le buffet. On va se faire donc une petite compilation à l'ancienne, à défourailler du noob à tout va. Il saute comme un lapin. Et je vois rien avec mon masque, je sais pas comment je l'ai eu. Bien joué, bien joué, bien joué. Un homme est en train de se battre contre une ronce. Les ennemis invisibles de l'airsoft ne sont pas forcément humains. Ils peuvent être végétaux.